aujourd'hui je vous prends, on est dimanche, alors on est en après-midi, je vous ai pas pris le matin parce que ce matin j'étais pas bien du tout et puis j'ai une otite en plus, du coup c'est un petit peu la galère, je suis pas trop bien, mais j'ai quand même tenté de vous prendre cet après-midi parce que nous sommes mère et fils, Adam est parti à la base, donc quand en général je vous prends c'est le week-end, je vous fais des vidéos le week-end et Adam je le vois pratiquement pas parce que il est souvent à la base vu qu'il va bientôt partir à l'armée, il profite de pouvoir faire du foot le temps qu'il peut parce qu'après il pourra en faire beaucoup moins en fait. Du coup voilà, je laisse profiter et puis nous on n'est pas allé parce que il fait pas beau. En fait ça fait 2 jours qu'il pleut et qu'il fait frais maintenant. Du coup j'ai pas tenté de sortir, j'avais pas envie. Donc voilà, Kaylor est encore en pyjama, je le laisse en pyjama même s'il est un petit peu sale, il a plein de chocolat un petit peu sur le pyjama parce qu'après on va faire de la peinture et puis c'est dimanche et vu que c'est dimanche et qu'il va aller à la douche après, ça pose pas de soucis. Attends, c'est l'inverse mon amour, il empile. Bah alors, mais tu pourras plus là. Bah oui, tu pourras plus. Non, tu peux pas. On enlève tout. Tiens, on commence par le bleu. Non, voilà, il veut pas. Le bleu? Non, on jette tout. On jette tout. Bah alors, tu jettes tout? Voilà. Alors, quelle heure c'est? Soit il jette tout, soit il joue. Bon, du coup, je vais vous raconter un petit peu notre semaine. Donc, lundi, je vous ai vlogué. Du coup, vous l'avez vu en vlog ce qu'on a fait. Mardi, on est parti du coup voir pour mon appareil photo ce que j'avais laissé à un technicien pour qu'il regarde, etc. Et au final, ça ne me convient toujours pas. Du coup, on a échangé et j'en ai pris un autre appareil photo. Donc là, à ce que je vois, ça me convient donc pas non plus. Je suis un peu compliquée, je pense. Mais c'est pas ce que je voulais. Du coup, je sais pas encore ce qu'on va faire. Après, j'ai trouvé l'appareil photo que je voulais. Mais il faut mettre le prix, quoi. Donc pour l'instant, on va voir dans peu de temps, je pense. On va voir comment on va faire. Sinon, pour l'instant, je reste comme ça. Et sinon, jeudi, je suis allée à l'ORL pour du coup mon otite. Et normalement, en fait, j'étais censée vous vlogger jeudi parce que j'avais fait le drive, on est parti chercher les courses, etc. Et je voulais vous faire un retour de course comme j'avais fait aussi un sondage le jour même sur Instagram pour les prochaines fois et j'avais eu beaucoup de réponses positives. Donc j'ai pas pu faire le retour de course parce que ben, c'était Adam qui est parti chercher le drive parce que moi j'étais pas bien du tout. Du coup j'ai préféré rester avec Kaylor à la maison tranquillement. Donc je vous ai pas vlogué et vendredi, ben on n'a rien fait de spécial. On attendait de recevoir un colis qu'on a reçu et voilà. Après je vais vous montrer aussi. En fait on a de la famille un petit peu partout. Adam il a ses parents qui sont dans les Vosges. Moi j'ai de la famille à Marseille. Il y a des amis à mes grands-parents qui habitent à Clermont-Ferrand. Et donc on reçoit des cadeaux pour Kaylor. Du coup j'ai reçu des vêtements et des jouets aussi que je vais vous montrer juste après. Ce qu'on a reçu en vêtements, alors c'est la marque, c'est du pareil au même. Alors on va mettre la boîte juste ici. Donc on a un petit haut à manches longues comme ceci. Il est super beau, j'aime bien. Voilà, il est comme ça. Kaylor va me l'enlever. C'est 18 mois. Et avec un pantalon comme ça. Voilà, avec... je sais plus comment ça s'appelle. Qui va derrière comme ça. Les petites bretelles ou je sais pas trop comment. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. Donc voilà, c'est un 18 mois aussi. Donc on m'a laissé quand même, enfin, on m'a donné le ticket. Je pense que c'est pour pouvoir échanger. Parce que comment vous dire que... là en fait ils m'ont pris du 18 mois parce que actuellement Kaylor il a 15 mois. Mais Kaylor est une crevette. C'est-à-dire qu'il a 15 mois mais il met actuellement du 6-9 mois.
Donc il n'a même pas encore, il n'est même pas encore aux 12 mois. Donc comment vous dire que je vais voir si je peux changer en taille un petit peu en dessous pour qu'il puisse profiter. Parce que bah, c'est dommage parce que j'adore et je ne sais pas quand il va pouvoir le mettre. Et ses petits chaussons avec un ourson pirate, c'est de la taille 20. Donc ils sont trop beaux. Il a eu ça empilé, les petits cercles à empiler qu'il adore. Comme vous avez vu juste avant, il joue avec en plus. Voilà. J'ai eu un petit téléphone. Comme ça. Fait du bruit. Il a eu un petit caddie parce que quand on est parti en vacances, il a craqué sur le caddie de sa copine. Alors il a eu son petit caddie. Avec, il est en train de jouer avec. Avec une boîte à œufs. Alors il y a des petits œufs, il y en avait deux. Il y avait des petites oranges. Il y avait ceci aussi. Ah! Il y avait une boîte en carton de céréales. Il avait un petit pot de Nutella, mais je sais pas où il est mis. Je ne sais pas du tout. Il a eu des petites voitures aussi. Voilà, il y en a plusieurs, c'est pareil, mais il les a mis un peu de partout. Et il a eu ce petit tracteur avec la petite remorque. Voilà, que ça s'accroche. Donc voilà, il a eu, si je me trompe pas, voilà, c'est tout ce qu'il a eu. Il a été gâté. Allô? Bon, et sinon, j'ai complètement oublié de vous dire que mardi, en fait, on a eu un appel du secrétariat de l'armée. Et que mardi, on va à Toulon. Adam, il va signer son pré-contrat pour l'armée. Le pré-contrat, c'est quelque chose... C'est un contrat, on va dire, pendant ses classes. Et dès qu'il aura fini ses 3 mois de classe, à ce moment-là, il signera son vrai contrat. Et donc, il ne pourra plus partir de l'armée. Donc, le pré-contrat, ça sert à signer un contrat, mais il peut partir pendant les 3 mois. Il peut se rétracter. Donc, on va à Toulon pour qu'il le signe mardi. Donc, on va devoir se lever très, très tôt. Et voilà, je vous avais pas dit ça. J'ai un petit peu... Parce qu'on a des cartons, on a énormément de cartons, bon on en a énormément, il faut que je trie encore dans la maison. Mais on a des cartons et là en fait dans la cage je commence à stocker, j'avais énormément de papier bulle. Et du coup je les ai stockés dans un carton et en fait là j'ai deux cartons que j'ai mis là. Et c'est pour commencer à stocker pour le déménagement. Là j'ai plein de papier bulle. Et en fait ça fait longtemps que je le gardais dans une armoire. Et je me suis dit là au final heureusement que je les ai gardés. Parce que quand on va déménager je pourrai emballer les choses fragiles. Donc là j'ai un grand carton quand même hein, pour garder un petit peu. Et là j'ai un autre carton Leclerc. Voilà, qui est comme ça. Et moi, je vais commencer à stocker tous les cartons qu'on a pour le déménagement. En pleine activité peinture. Kaylor, il adore vraiment ça. Bon, alors, vu qu'en général, il touche ses joues, il en a sur les joues. Donc, voilà. Attention. Donc, voilà, ça fait 2 fois qu'il en fait de la peinture et il adore vraiment ça. Voilà, là, il est en train de faire son petit froissage. Bon, bah, du coup, on va changer de feuille. Tu fais celui-là? Donc, on en est au deuxième dessin, là. Donc, on peut voir que la chaise haute, heureusement que ça s'en va à l'eau. Bon, et logiquement, hein, maman, elle en a de partout. Hein. Quand le bébé, il fait de la peinture, maman, elle en a autant. Et puis, même jusqu'au pied, carrément, hein. Du coup, je vous montrerai les chefs-d'œuvre juste après. Une douche plus tard, un bébé tout propre. Il a pris la douche. On a changé le pyjama. Et le body, hein. Et voilà, il est tout tout propre. Du coup, là, il est 6h15 et je ne sais même pas encore ce que je vais faire à manger. C'est la bonne question. Et il n'est jamais sans sa doudou, hein. Ça, c'est une couette, c'est... C'est un petit plaid, c'est son doudou, il la quitte jamais.
ce sera des carottes glacées avec du riz et du poulet revenu à l'huile d'olive avec des poivrons. Donc moi, je vais manger la même chose que Kaylor. Et Adam, il prendra pas des carottes parce qu'il n'aime pas les carottes. Bon appétit! Du coup, là, il prend son bibi. Il est assez fatigué aujourd'hui, comme un dimanche. Du coup, il prend son bibi. Il va pas tarder à aller au dodo. Les amis, on est parti sur de la rédance. Bon voilà, du coup la Kaylor est couchée. Adam est en train de regarder la télé. Et moi je vais vous montrer du coup les peintures qu'il a fait cet après-midi. Enfin fin d'après-midi. Et je vais vous montrer aussi les trois autres, les premières qu'il avait fait. Donc voilà. Ça c'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Alors il y a celle-là qu'il avait fait la dernière fois, mais elle est déchirée en plein milieu. À force de... Il est froissé. Ça s'est déchiré avec la peinture là et là, donc j'aime bien. Du coup là ça lui en fait 6 et j'aime bien quand il fait plusieurs dessins comme ça, au moins je peux les offrir à la famille après pour faire des souvenirs. Du coup là c'est vrai qu'on commence à en avoir pas mal. Je vais vous laisser là, j'espère que ce vlog vous aura plu. En tout cas aujourd'hui j'ai essayé de faire ce que je pouvais pour occuper Kaylor. Et voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera plaisir, à aimer la vidéo et à commenter. Alors des fois c'est bloqué, des fois c'est pas bloqué les commentaires, du coup on verra au moment où la vidéo sera publiée. Donc ben voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.